Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, je vais continuer la lecture d'Avatar de Théophile Gautier. Théophile Gautier qui est un poète, romancier et critique français, né à Tarbes en 1811 et mort à Neuilly-sur-Seine en 1872. Donc nous en étions à un passage où le docteur essaie de faire voyager une âme dans une autre âme, donc dans un autre corps. Voilà, donc nous allons continuer la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag VBN, ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Ces cérémonies terminées, il ouvrit toutes grandes les bouches de chaleur. Et bientôt, la salle fut remplie d'une atmosphère embrasée qui eût fait se pâmer les tigres dans les jungles, se craqueler leurs cuirasses de vase sur le cuir rugueux des buffles et s'épanouir avec une détonation la large fleur de l'aloé. Il ne faut pas que ces deux étincelles du feu divin qui font se trouver nus tout à l'heure et dépouillés pendant quelques secondes de leur enveloppe mortelle pâlissent ou s'éteignent dans notre air glacial, dit le docteur en regardant le thermomètre qui marquait alors 120 degrés Fahrenheit. Le docteur Balthazar Cherbonneau, entre ses deux corps inertes, avait l'air, dans ses blancs vêtements du sacrificateur, d'une de ces religions sanguinaires qui jetaient des cadavres d'hommes sur l'autel de leur dieu. Il rappelait ce prêtre de Vitzilipuzzili, la farouche idole mexicaine dont parle Henry Heine dans une de ses ballades. Mais ses intentions étaient à coup sûr plus pacifiques. Il s'approcha du comte Olaf Labinski, toujours immobile, et prononça l'ineffable syllabe qu'il alla rapidement répéter sur octave profondément endormie. La figure ordinaire, bizarre, de M. Cherbonneau avait pris en ce moment une majesté singulière. La grandeur du pouvoir dont il disposait ennoblissait ses traits désordonnés. Et si quelqu'un l'eût vu accompli, l'eût vu accomplissant ses rites mystérieux avec une gravité sacerdotale, il n'eût pas reconnu en lui le docteur Hoffmanic qui appelait, en le défiant, le crayon de la caricature. Il se passa alors des choses bien étranges. Octave de Saville et le comte Olaf Labinski parurent agités simultanément comme d'une convulsion d'agonie. Leur visage se décomposa, une légère écume leur monta aux lèvres, la pâleur de la mort décolora leur peau. Cependant, deux petites lueurs bleuâtres et tremblotantes scintillaient, incertaines, au-dessus de leur tête. À un geste fulgurant du docteur qui semblait leur tracer leur route dans l'air, les deux points phosphoriques se mirent en mouvement et, laissant derrière eux un sillage de lumière, se rendirent à leur demeure nouvelle. L'âme d'Octave occupa le corps du comte Labinski, l'âme du comte, celui d'Octave. L'avatar était accompli. Une légère rougeur des pommettes indiquait que la vie venait de rentrer dans ces argiles humaines restées sans âme pendant quelques secondes et dont l'ange noir eût fait sa proie sans la puissance du docteur. La joie du triomphe faisait flamboyer les prunelles bleues de Cherbonneau qui se disait en marchant à grands pas dans la chambre que les médecins les plus vantés en fassent autant. Eux si fiers de raccommoder tant bien que mal l'horloge humaine lorsqu'elle se détraque. Hippocrate, Galien, Paracels, Van Helmont, Boerhaave, Tronchin, Hahnemann, Razori, le moindre fakir indien, accroupi sur l'escalier d'une pagode. On sait mille fois plus long que vous. Qu'importe le cadavre quand on commande l'esprit. En finissant sa période, le docteur Balthazar Cherbonneau fit plusieurs cabrioles d'exultation et dansa comme les montagnes dans le Shirshnash Shirim du roi Salomon. Il faillit même tomber sur le nez, s'étant pris le pied au pli de sa robe rahamnique,
petit accident qui le rappela à lui-même et lui rendit tout son sang-froid. « Réveillons nos dormeurs, » dit M. Cherbonneau, après avoir essuyé les raies de poudre colorée dont il s'était strié la figure et dépouillé son costume de brame. Et se plaçant devant le corps du comte Labinski, habité par l'âme d'Octave, il fit les passes nécessaires pour le tirer de l'état somnambulique, secouant à chaque geste ses doigts chargés du fluide qu'il enlevait. Au bout de quelques minutes, Octave Labinski, désormais nous le désignerons de la sorte pour la clarté du récit, se redressa sur son séant, passa ses mains sur ses yeux et promena tout autour de lui un regard étonné que la conscience du moi n'illuminait pas encore. Quand la perception nette des objets qui fut revenue la première chose qu'il aperçut, ce fut sa forme placée en dehors de lui sur un divan. Il se voyait, non pas réfléchi par un miroir, mais en réalité, il poussa un cri. Ce cri ne résonna pas avec le timbre de sa voix et lui causa une sorte d'épouvante. L'échange d'âme ayant eu lieu pendant le sommeil magnétique, il n'en avait pas gardé mémoire et éprouvait un malaise singulier. Sa pensée, servie par de nouveaux organes, était comme un ouvrier à qui l'on a retiré ses outils habituels pour lui en donner d'autres. Psyché dépaysé, battait de ses ailes inquiètes la voûte de ce crâne inconnu et se perdait dans les méandres de cette cervelle où restaient encore quelques traces d'idées étrangères. « Eh bien, » dit le docteur, lorsqu'il eut suffisamment joui de la surprise d'Octave Labinski. « Que vous semble de votre nouvelle habitation ? Votre âme se trouve-t-elle bien installée dans le corps de ce charmant cavalier Hetman, Ospodar ou Mania, mari de la plus belle femme du monde ? Vous n'avez plus envie de vous laisser mourir comme c'était votre projet la première fois ? Que je vous ai vu dans votre triste appartement de la rue Saint-Lazare. Maintenant que les portes de l'hôtel Labinski vous sont toutes grandes ouvertes et que vous n'avez plus peur que Praskovi ne vous mette la main devant la bouche, comme à la Villa Salviati, lorsque vous voudrez lui parler d'amour. Vous voyez bien que le vieux Balthazar Charbonneau, avec sa figure de macaque, qu'il ne tiendrait qu'à lui de changer pour une autre, possède encore dans son sac à malice d'assez bonnes recettes. Docteur, répondit Octave Labinski, vous avez le pouvoir d'un dieu, ou tout du moins d'un démon. Oh ! N'ayez pas peur, il n'y a pas la moindre diablerie là-dedans. Votre salut ne périclite pas. Je ne vais pas vous faire signer un pacte avec un parafrouge. Rien n'est plus simple que ce qui vient de se passer. Le verbe qui a créé la lumière peut bien déplacer une âme. Si les hommes voulaient écouter Dieu à travers le temps et l'infini, ils en feraient, ma foi, bien d'autres. Par quelle connaissance, par quel dévouement reconnaître cette inestimable service. Vous ne me devez rien. Vous m'intéressiez. Et pour un vieux lascar comme moi, tanné à tous les soleils bronzés, à tous les événements, une émotion est une chose rare. Vous m'avez révélé l'amour, et vous savez que nous autres rêveurs, un peu alchimistes, un peu magiciens, un peu philosophes, nous cherchons tous plus ou moins l'absolu. Mais levez-vous donc, remuez-vous, marchez, et voyez si votre peau neuve ne vous gêne pas aux entournures. Octave Labinski obéit au docteur et fit quelques tours par la chambre. Il était déjà moins embarrassé, quoique habité par une autre âme. Le corps du comte conservait l'impulsion de ses anciennes habitudes. Et l'hôte, récent, se confia à ses souvenirs physiques, car il lui importait de prendre la démarche, l'allure, le geste du propriétaire expulsé.
si je n'avais opéré moi-même tout à l'heure le déménagement de vos âmes. Je croirais, dit en riant le docteur Balthazar Charbonneau, qu'il ne s'est rien passé que d'ordinaire pendant cette soirée. Et je vous prendrai pour le véritable légitime et authentique comte lituanien, Olaf Labinski, dont le moi sommeille encore là-bas dans la chrysalide que vous avez dédaigneusement laissée. Mais minuit va sonner bientôt. Partez pour que Praskovi ne vous gronde pas et ne vous accuse pas de lui préférer le lansquenet ou le baccarat. Il ne faut pas commencer votre vie d'époux par une querelle, ce serait de mauvais augure. Pendant ce temps, je m'occuperai de réveiller votre ancienne enveloppe avec toutes les précautions et les égards qu'elle mérite. Reconnaissant la justesse des observations de Dr. Octave Labinski, se hâta de sortir. Au bas du perron, piaffaient d'impatience les magnifiques chevaux bais du comte, qui, en mâchant leur mort, avaient devant eux couvert le pavé d'écume. Au bruit de pas du jeune homme, un superbe chasseur vert de la race perdue des Aiducs se précipita vers le marchepied qu'il abattit. Qu'il abattit. Excusez-moi, je retrouve ma phrase. Au bruit du pas du jeune homme, un superbe chasseur vert de la race perdue des Aiducs se précipita vers le marchepied qui l'abattit avec fracas. Octave, qui s'était d'abord dirigé machinalement vers son modeste brouhaha, s'installa dans le haut et splendide coupé et dit au chasseur qui jeta le mot au cocher : « À l'hôtel !» La portière, à peine fermée, les chevaux partirent en faisant des courbettes. Et le digne successeur des Almanzor et des Azolans se suspendit au large cordon de passementerie avec une prestesse, qui n'aurait pas laissé supposer sa grande taille. Pour des chevaux de cette allure, la course n'est pas longue de la rue du Regard au faubourg Saint-Honoré. L'espace fut dévoré en quelques minutes et le cocher cria de sa voix de stentor « La porte !» Les deux immenses battants, poussés par le Suisse, livrèrent passage à la voiture qui tourna dans une grande cour sablée et vint s'arrêter avec une précision remarquable sous une marquise rayée de blanc et de rose. La cour qu'Octave Labinski détailla avec cette rapidité de vision que l'âme acquiert en certaines occasions solennelles, était vaste, entourée de bâtiments symétriques, éclairés par des lampadaires de bronze dont le gaz dardait ses langues blanches, dans des fanaux de cristal semblables à ceux qui ornaient autrefois le Bucentaure, et sentaient le palais plus que l'hôtel. Des caisses d'orangers dignes de la terrasse de Versailles étaient posées de distance en distance sur la marge d'asphalte, qui encadrait comme une bordure le tapis de sable formant le milieu. Le pauvre amoureux transformé, en mettant le pied sur le seuil, fut obligé de s'arrêter quelques secondes et de poser sa main sur son cœur pour en comprimer les battements. Il avait bien le corps du comte Olaf Labinski, mais il n'en possédait que l'apparence physique. Toutes les notions que contenait cette cervelle s'étaient enfouies avec l'âme du premier propriétaire. La maison, qui désormais devait être la sienne, lui était inconnue. Il en ignorait les dispositions intérieures. Un escalier se présentait devant lui. Il le suivit, à tout hasard, sauf à mettre son erreur sur le compte d'une distraction. Les marches de pierre ponçaient et éclataient de blancheur et faisaient ressortir le rouge opulent de la large bande de moquette retenue par des baguettes de cuivre doré qui dessinaient au pied de son moelleux chemin des jardinières remplies des plus belles fleurs exotiques montées chaque degré avec vous. Une immense lanterne découpée et fenestrée, suspendue à un gros câble de soie pourpre orné de houppes et de nœuds, faisait courir des frissons d'or sur les murs revêtus d'un stuc blanc et poli comme le marbre, et projeter une masse de lumière sur une répétition de la main de l'auteur d'un des plus célèbres groupes de Canova.
l'amour embrassant Psyché. Le palier de l'étage unique était pavé de mosaïques d'un précieux travail et aux parois des cordes de soie suspendaient quatre tableaux de Paris-Bordone, de Bonifacio, de Palma le Vieux et de Paul Véronèse, dont le style architectural et pompeux s'harmonisait avec la magnificence de l'escalier. Sur ce palier s'ouvrait une haute porte de serge relevée de clous dorés. Octave Labinski la poussa et se trouva dans une vaste antichambre où sommeillaient quelques laquais en grande tenue qui, à son approche, se levèrent comme poussés par des ressorts et se rangèrent le long des murs avec l'impassibilité d'esclaves orientaux. Il continua sa route. Un salon blanc et or, où il n'y avait personne, suivait l'antichambre. Octave tira une sonnette. Une femme de chambre parut. « Madame peut-elle me recevoir ?»« Madame la comtesse est en train de se déshabiller, mais tout à l'heure elle sera visible. » Chapitre 7. Restée seule avec le corps d'Octave de Saville, habité par l'âme du comte Olaf Labinski, le docteur Balthazar Charbonneau se mit en devoir de rendre cette forme inerte à la vie ordinaire. Au bout de quelques passes, Olaf de Saville, qu'on nous permette de réunir ces deux noms pour désigner un personnage double, sortit comme un fantôme des limbes du profond sommeil, ou plutôt de la catalepsie, qui l'enchaînait immobile, ou plutôt, oui, donc immobile et roide, sur l'angle du divan. Il se leva avec un mouvement automatique que la volonté ne dirigeait pas encore, et chancelant sous un vertige mal dissipé. Les objets vacillaient autour de lui, les incarnations de Vishnu dansaient la sarabande le long des murailles. Le docteur Charbonneau, lui, apparaissait sous la figure du sannyasi d'Elephanta, agitant ses bras comme des ailerons d'oiseaux et roulant ses prunelles bleues dans des orbes de rides brunes, pareil à des cercles de vésicles. Les spectacles étranges auxquels il avait assisté avant de tomber dans l'anéantissement magnétique réagissaient sur sa raison, et il ne se reprenait que lentement à la réalité. Il était comme un dormeur réveillé brusquement d'un cauchemar qui prend encore pour des spectres ses vêtements épars sur les meubles avec de vagues formes humaines et pour des yeux flamboyants de cyclopes, les patères de cuivre des rideaux, simplement illuminés par le reflet de la vieillesse. Peu à peu, cette fantasmagorie s'évapora. Tout revint à son aspect naturel. Monsieur Balthazar Charbonneau ne fut plus un pénitent de l'Inde, mais un simple docteur en médecine qui adressait à son client un sourire d'une bonhomie banale. Monsieur le comte, est-il satisfait des quelques expériences que j'ai eu l'honneur de faire devant lui ? Disait-il avec un ton d'obséquieuse humilité où l'on aurait pu démêler une légère nuance d'ironie. J'ose espérer qu'il ne regrettera pas trop sa soirée et qu'il partira convaincu que tout ce qu'on raconte sur le magnétisme n'est pas fable et jonglerie, comme le prétend la science officielle. Olaf de Saville répondit par un signe de tête en manière d'assentiment et sortit de l'appartement accompagné du docteur Charbonneau qui lui faisait de profonds saluts à chaque porte. Le brougham s'avança en rasant les marches et l'âme du mari de la comtesse Labinska y monta avec le corps d'Octave de Saville sans trop se rendre compte que ce n'était là ni sa livrée ni sa voiture. Le cocher demanda où monsieur allait. Chez moi, répondit Olaf de Saville, confusément étonné de ne pas reconnaître la voix du chasseur vert qui, ordinairement, lui adressait cette question avec un accent hongrois des plus prononcés. Le brougham, où il se trouvait, était tapissé de damas bleu foncé, un satin bouton d'or capitonnait son coupé, et le comte s'étonnait de cette différence tout en l'acceptant comme on fait dans le rêve où les objets habituels se présentent sous des aspects tout autres sans pourtant cesser d'être reconnaissables.
Il se sentait aussi plus petit que de coutume. En outre, il lui semblait être venu en habit chez le docteur et sans se souvenir d'avoir changé de vêtements, il se voyait habillé d'un paletot d'été en étoffe légère qui n'avait jamais fait partie de sa garde-robe. Son esprit éprouvait une gêne inconnue et ses pensées, le matin si lucide, se débrouillaient péniblement. Attribuant cet état singulier aux scènes étranges de la soirée, il ne s'en occupa plus. Il appuya sa tête à l'angle de la voiture et se laissa aller à une rêverie flottante, à une vague somnolence qui n'était ni la veille ni le sommeil. Le brusque arrêt du cheval et la voix du cocher criant « La porte !» le rappelèrent à lui. Il baissa la glace, mit la tête dehors et vit à la clarté du réverbère une rue inconnue, une maison qui n'était pas la sienne. « Où diable me mènes-tu, animal ? » s'écria-t-il. « Sommes-nous donc au faubourg Saint-Honoré, hôtel Labinski ?»« Pardon, monsieur, je n'avais pas compris. » grommela le cocher en faisant prendre à sa bête la direction indiquée. Pendant le trajet, le comte transfiguré se fit plusieurs questions auxquelles il ne pouvait répondre. Comment sa voiture était-elle partie sans lui, puisqu'il avait donné ordre qu'on l'attendît? Comment se trouvait-il lui-même dans la voiture d'un autre? Il supposa qu'un léger mouvement de fièvre troublait la netteté de ses perceptions, ou que peut-être le docteur Thaumaturge, pour frapper plus vivement sa crédulité, lui avait fait respirer pendant son sommeil quelques flacons de haschich ou de toute autre drogue hallucinatrice dont une nuit de repos dissiperait les illusions. La voiture arriva à l'hôtel Labinski. Le Suisse, interpellé, refusa d'ouvrir la porte, disant qu'il n'y avait pas de réception ce soir-là, que monsieur était rentré depuis plus d'une heure et madame retirée dans ses appartements. « Drôle. Es-tu ivre ou fou ?» dit Olaf de Saville en repoussant le colosse qui se dressait gigantesquement sur le seuil de la porte, entrebâillée, comme une de ces statues en bronze qui, dans les contes arabes, défendent aux chevaliers errants l'accès des châteaux enchantés. « Ivre ou fou vous-même, monsieur ?» répliqua le Suisse, qui, de cramoisi qu'il était naturellement, devint bleu de colère. « Misérable !» rugit Olaf de Saville. « Si je ne me respectais, taisez-vous ou je vais vous casser sur mon genou et jeter vos morceaux sur le trottoir, » répliqua le géant en ouvrant une main plus large et plus grande que la colossale main de plâtre exposée chez le gantier de la rue Richelieu. « Il ne faut pas faire le méchant avec moi, mon petit jeune homme, parce qu'on a bu une ou deux bouteilles de vin de champagne de trop. » Olaf de Saville, exaspéré, repoussa le Suisse si rudement qu'il pénétra sous le porche. Quelques valets qui n'étaient pas couchés encore accoururent au bruit de l'altercation. « Je te chasse, bête brute, brigand, scélérat. Je ne veux pas même que tu passes la nuit à l'hôtel. Sauve-toi ou je te tue comme un chien enragé. Ne me fais pas verser l'ignoble sang d'un laquais. » Et le comte, dépossédé de son corps, s'élançait les yeux injectés de rouge, l'écume aux lèvres, les poings crispés vers l'énorme Suisse qui, rassemblant les deux mains de son agresseur dans une des siennes, les y maintint, presque écrasé par l'étau de ses gros doigts, courts, charnus et noueux, comme ceux d'un torsionnaire, excusez-moi, du Moyen-Âge. « Voyons, du calme, disait le géant, assez bonasse au fond, qui ne redoutait plus rien de son adversaire et lui imprimait quelques saccades pour le tenir en respect. Y a-t-il du bon sens de se mettre dans des états pareils quand on est vêtu en homme du monde et devenir ensuite comme un perturbateur
faire des tapages nocturnes dans les maisons respectables. On ne doit des égards au vin. Et il doit être fameux, celui qui vous a si bien grisé. C'est pourquoi je ne vous assomme pas. Et je me contenterai de vous poser délicatement dans la rue, où la patrouille vous ramassera si vous continuez vos esclandres. Un petit air de violon vous rafraîchira les idées. Infâme, s'écria Olaf de Saville en interpellant les laquais. Vous laissez insulter par cette abjecte canaille votre maître. Le noble comte Labinski. À ce nom, la valetaille poussa d'un commun accord une immense huée, un éclat de rire énorme, homérique, convulsive, souleva toutes ces poitrines chamarrées de glaçons. Ce petit monsieur qui se croit le comte de Labinski. L'idée est bonne. Une sueur glacée mouilla les tempes d'Olaf de Saville. Une pensée aiguë lui traversa la cervelle comme un lame d'acier. Et il sentit se figer la moelle de ses os. Smara lui avait-il mis son genou sur la poitrine, ou vivait-il de la vie réelle? Sa raison avait-elle sombré dans l'océan sans fond du magnétisme, ou était-il le jouet de quelque machination diabolique? Aucun de ces laquais, si tremblants, si soumis, si prosternés devant lui, ne le reconnaissait. Lui avait-on changé son corps, comme son vêtement et sa voiture? Pour que vous soyez bien sûr de n'être pas le comte Labinski, dit un des plus insolents de la bande. Regardez là-bas, le voilà, lui-même, qui descend le perron, attiré par le bruit de votre algarade. Le captif du Suisse tourna les yeux vers le fond de la cour et vit debout, sous l'auvent de la marquise, un jeune homme de taille élégante et svelte, à figure ovale, aux yeux noirs, au nez alcalin, à la moustache fine, qui n'était autre que lui-même. Ou son spectre modelé par le diable, avec une ressemblance à faire illusion. Le Suisse lâcha les mains qu'il tenait prisonnières. Les valets se rangèrent respectueusement contre la muraille, le regard baissé, les mains pendantes, dans une immobilité absolue, comme les icoglans à l'approche du padishah. Il rendait à ce fantôme les honneurs qu'il refusait au comte véritable. L'époux de Praskovie, quoique intrépide comme un slave, sait tout dire. Ressentit un effroi indicible à l'approche de ce ménechme, qui, plus terrible que celui du théâtre, se mêlait à la vie positive et rendait son jumeau méconnaissable. Une ancienne légende de famille lui revint en mémoire et augmenta encore sa terreur. Chaque fois qu'un Labinski devait mourir, il en était averti par l'apparition d'un fantôme absolument pareil à lui. Parmi les nations du Nord, voir son double, même en rêve, a toujours passé pour un présage fatal. Et l'intrépide guerrier du Caucase, à l'aspect de cette vision extérieure de son moi, fut saisi d'une insurmontable horreur superstitieuse. Lui qui eut plongé son bras dans la gueule des canons prêts à tirer, il recula devant lui-même. Octave Labinski s'avança vers son ancienne forme, où se débattait, s'indignait, frissonnait l'âme du comte, et lui dit d'un ton de politesse hautaine et glaciale. Monsieur, cessez de vous compromettre avec ses valets, monsieur le comte Labinski. Si vous voulez lui parler, est visible de midi à 2 heures. Madame la comtesse reçoit le jeudi les personnes qui ont eu l'honneur de lui être présentées.
Cette phrase débitée lentement et en donnant de la valeur à chaque syllabe, le faucon se retira d'un pas tranquille et les portes se refermèrent sur lui. On porta dans la voiture Olaf de sa vie évanouie. Lorsqu'il reprit ses sens, il était couché sur un lit qui n'avait pas la forme du sien, dans une chambre où il ne se rappelait pas être jamais entré. Près de lui se tenait un domestique étranger qui lui soulevait la tête et lui faisait respirer un flacon d'éther. « Monsieur, se sent-il mieux ?» demanda Jean au comte, qu'il prenait pour son maître. « Oui, » répondit Olaf de sa vie. « Ce n'était qu'une faiblesse passagère. Puis je me retirai, ou faut-il que je veille ?»« Puis je me retirai, ou faut-il que je veille, monsieur ?»« Non, laissez-moi seul, mais avant de vous retirer, allumez les torchères près de la glace. » Monsieur n'a pas peur que cette vive clarté ne l'empêche de dormir ? Nullement, d'ailleurs, je n'ai pas sommeil encore. Je ne me coucherai pas, et si monsieur a besoin de quelque chose, j'accourrai au premier coup de sonnette, dit Jean intérieurement, alarmé de la pâleur des traits décomposés du comte. Lorsque Jean se fut retiré, après avoir allumé les bougies, le comte s'élança vers la glace, et dans le cristal profond et pur où tremblait la scintillation des lumières, il vit une tête jeune, douce et triste, aux abandons. Abandon, cheveux noirs, aux prunelles d'un azur sombre, aux joues pâles, duvetées d'une barbe soyeuse et brune. Une tête qui n'était pas la sienne et qui, du fond du miroir, le regardait avec un air surpris. Il s'efforça d'abord de croire qu'un mauvais plaisant encadrer son masque dans la bordure incrustée de cuivre et de burgos de la glace à biseau vénitien. Il passa la main derrière, il ne sentit que les planches du parquet, il n'y avait personne. Ses mains qu'il tâta étaient plus maigres, plus longues, plus veinées, aux doigts annulaires saillaient en bosse une grosse bague d'or et un chaton d'aventurine sur laquelle un blason était gravé. Un écu facé de gueules et d'argent, et pour timbre un tortil de baron. Cet anneau n'avait jamais appartenu au comte, qui portait d'or à l'aigle de sable et saurant, béqué, pâté et onglé de même, le tout surmonté de la couronne à perles. Il fouilla ses poches et il y trouva un petit portefeuille contenant des cartes de visite avec ce nom. Octave de Saville. Le rire des laquais à l'hôtel Labinski. L'apparition de son double. La physionomie inconnue substituée à sa réflexion dans le miroir pouvait être à la rigueur les illusions d'un cerveau malade. Mais ses habits différents, cet anneau qu'il ôtait de son doigt, étaient des preuves matérielles, palpables, des témoignages impossibles à récuser. Une métamorphose complète s'était opérée en lui, à son insu, un magicien, à coup sûr, un démon peut-être, lui avait volé sa forme, sa noblesse, son nom, toute sa personnalité, en ne lui laissant que son âme, sans moyen de la manifester. Les histoires fantastiques de Pierre Schlemihl et de la nuit de Saint-Sylvestre lui revinrent en mémoire. Mais les personnages de Lamotte, Fouquet et d'Hoffmann n'avaient perdu l'un que son ombre, l'autre que son reflet, et si cette privation bizarre d'une projection que tout le monde possède inspirait des soupçons inquiétants, personne, du moins, ne leur niait qu'ils ne fussent eux-mêmes. Sa position à lui était bien autrement désastreuse. Il ne pouvait réclamer son titre de comte Labinski avec la forme dans laquelle il se trouvait emprisonné. Voilà, c'est ainsi que se termine donc ma deuxième lecture de ce roman. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Avant de vous quitter, je vais vous lire une petite citation. Il avait l'air fatigué et languissant, mais ainsi attendri, sa beauté n'en était que
plus pénétrante. Elle prenait quelque chose d'humain. La déesse faisait femme. L'ange, reployant ses ailes, cessait de planer. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à tout bientôt pour la suite de la lecture. À tout bientôt.